What's up guys, c'est Clément, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo les potos. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec après pas mal de temps d'absence, donc mon excuse. Ça m'a fait du bien de prendre une pause. Bien plus en forme que jamais. Donc aujourd'hui les gars, on va se faire un petit Adidas. Donc je vous préconise de prendre directement le béton blanc, le béton noir, de la coque grise, en vitre noir, dalle de quartz, escalier en quartz, en plume, pierre lumineuse, tout posté, et de dalle de pierre. Donc là, tout de suite, nous allons déjà prendre le béton blanc. Nous allons faire nos piliers. Donc là nous allons faire un pilier up ici. Voilà, donc là on va descendre ceci, c'est une fondation un peu mieux. Ensuite on reprend, on prend plutôt notre date de pierre et là nous allons aller jusqu'au fond. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, nickel. Ensuite nous refaisons up comme ceci, le plus grand. Ensuite là on va aller sur 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, parfait, un pilier. On repart avec 16 blocs, 14 blocs, pardon, précédemment. Donc là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, parfait. Un pilier, voilà. Ensuite, on recommence avec cette fois-ci 24 blocs. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nickel. Hop, un dernier pilier. Avant de reprendre notre point de départ, donc cette fois-ci là nous allons poser 8 dalles. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18. Voilà, tout est parfait. Donc on va prendre le déploiement comme ceci. Voilà, c'est parfait. Et normalement, quand on part en diagonale, on doit se retrouver exactement. Il y a eu un petit problème. Ok les gars, du coup au lieu de mettre 18 blocs, j'en ai mis 17. On va se retrouver pareil, donc c'est pas grave. Tac. Et normalement on arrive pile poil dans l'angle de l'autre. Voilà, donc là c'est parfait. Du coup vous mettez bien 17 demi-dalles ici au lieu de 18. Comme je vous l'avais requis au début. Donc là, une fois qu'on a fait ça, c'est parfait. Maintenant nous allons pouvoir faire nos murs. Donc là, pour ce faire, on va prendre de la terre cuite grise et nous allons poser partout. Tac. Donc là, on va faire 2, 3, 4, 5 blocs de haut comme ceci. Et pareil de ce côté-là. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc ça, on va le faire entre chaque... Hop. À côté de chaque pilier, vous voyez. Donc là, j'en mets un ici et ici. Et ce, pour tous les piliers que l'on a posés au préalable. Voilà, donc ça c'est parfait. Maintenant, entre chaque pilier de terre cuite grise, vous allez me prendre de la pierre lumineuse ainsi que des enclumes. Et vous allez creuser partout sur 2 de profondeur. Donc voilà, comme ceci. Donc là, on va creuser pardon, sur toute cette rangée-là. Voilà, donc ça sera pareil entre chaque pilier de terre cuite grise, hein, comme je vous l'expliquais. Donc au fond, vous posez de la glowstone. Hop, voilà, on enlève le surplus. Et ensuite, par-dessus, vous reposez quelques enclumes. Hop, forcément, c'est un petit peu plus chiant. Faut pas cliquer deux fois sur le même bloc. Et voilà, donc c'est parfait. Ce qui vous donnera un magnifique petit effet lorsque vous serez en mode nuit. Donc voilà, regardez, ça fait une lueur qui ressort du sol. Donc ça, c'est assez sympa. Donc je vous préconise de faire ça pour ensuite placer tout simplement des vitres noires sur 5 de haut par-dessus les enclumes. Ok les gars, donc là j'ai rempli tout le bâtiment, donc comme je vous avais expliqué. Donc une fois que vous arrivez à ce stade-là,
On reprend pareil par-dessus les vitres ici. Donc là, tac, on fait une délimitation pour créer le cadre de la vitrine, entre guillemets. Et donc là, donc, on va augmenter sur 8 blocs. Donc là, on en a déjà posé un. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Donc là, hop, 8 blocs au-dessus de la vitre, on va créer un mur entièrement bouché, on va dire. Donc voilà, opaque. Donc là, parfait, vous remettez tout simplement 8 blocs par-dessus les vitres que l'on vient de poser. Et voilà le travail. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, c'est très simple, les amis. Donc nous allons augmenter la taille des piliers. On va tout simplement les égaliser avec les murs, donc sauf les deux ici qui se rejoignent en diagonale, vous comprenez ce que je vais vous dire. Donc là, hein, pour ces piliers ici, nous allons tout simplement les remonter, hop, voilà, comme ceci à cette hauteur. Donc bien entendu, c'est pareil pour les 4 blocs. Et puis, comme je vous l'expliquais, donc les piliers qui seront les piliers de l'entrée vont être un peu plus grands que les piliers que vous aurez autour de ces constructions. Donc là, ce pilier, ce pilier, ce pilier, le pilier qui est dans l'angle juste ici, vous les mettez à la même hauteur que le bâtiment. Donc voilà, qui sera ici. Et puis les piliers donc qui sont juste devant ici, nous allons les mettre 2 blocs plus haut que les autres. Donc je vous explique, tac, on remonte sur tout le bâtiment, parfait. Et nous allons les faire un peu plus grands, donc de 2 blocs, voilà, ils dépassent juste comme ça. Donc là, on va se faire une petite ellipse, remplir tous les piliers, et je vous explique la suite juste après. Ok, donc là c'est parfait, les piliers sont construits et maintenant nous allons mettre un petit peu de détails dans ce bâtiment. Donc là, tout d'abord, on va reprendre nos demi-dalles, hop, et on va poser, hop, une ligne comme ceci de demi-dalles juste au-dessus des fenêtres. Pareil ici, donc vous laissez 0,5 blocs et vous remettez tout de suite par-dessus, hop là, pardon, des demi-dalles. Bien entendu, c'est pareil pour tout le tour de la construction. Hein, vous voyez, ici aussi, on met des demi-dalles. Et ainsi de suite, tout le tour du bâtiment. Donc voilà, on a juste à faire ça. Et puis ensuite, on passera à la toiture. Et on fera l'entrée et les emblèmes. Et tout sera terminé. Ok, donc là, on a terminé un petit peu le gros du travail. Maintenant, tout simplement, nous allons prendre nos demi-dalles une nouvelle fois. Et on va faire tout le tour de la construction pour vous montrer le périmètre à couvrir, en quelque sorte, du toit. Donc là, faites bien attention au niveau des piliers. Je prends le temps, hop, de faire le tour comme ceci. Voilà. Ensuite, tac, là, on y va. Hein, on fait toujours un petit débordement de la toiture, vous voyez, comme d'habitude. Là, hop, encore une nouvelle fois, on contourne le pilier. Parfait, pilier d'angle, toujours pareil, tac, c'est nickel, on emmène jusqu'à l'autre côté, voilà qui est parfait, voilà donc là c'est nickel, tac, on contourne donc le pilier hein, comme d'habitude et on arrive donc au dernier pilier qui est un petit peu plus grand pour faire l'entrée. Donc là, ce que je vais faire pour vous montrer la zone à barricader, je vais prendre mon béton noir, vous pouvez faire pareil que moi, et je vais tout simplement relier les deux piliers ici. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre un bloc comme ceci, voilà, en diagonale, et on va tout simplement tracer, tac, comme ceci, jusqu'à rejoindre l'autre pilier, voilà, qui est parfait. Donc là, j'enlève le surplus qui m'a servi de jonction. Là, je remets des blocs juste en dessous. On va y arriver. Parfait. Et ensuite, tout simplement, eh bien là, on a notre périmètre à recouvrir avec nos demi-dalles, tout simplement. Voilà, donc là, c'est nickel. Notre toit est formé.
Maintenant, ce que nous allons faire, c'est l'entrée. Donc là, on reprend notre béton noir, les gars. Ou plutôt notre béton blanc, ce sera plus simple. Et là, on va hop, s'écarter de 3 blocs en diagonale. Au quatrième, on pose un bloc et on refait un pilier du même genre que celui-ci. Donc là, je vais remonter tac, comme ceci. Je vais faire avec World Edit hein, pour aller plus vite. Donc là, comme je vous disais, notre premier pilier sera ici. Hop, parfait. Et notre quatrième pilier. Donc ça, c'est notre troisième. Hein. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Donc là, 2, 3 et 4 ici. Tac, 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 tac. Et là, nous allons monter donc à la même hauteur que tout à l'heure pour les piliers de l'entrée hein, qui sont, je vous rappelle, 2 blocs plus haut que les autres. Voilà, c'est parfait. Donc là, on a nos 4 piliers de l'entrée. Donc là, ce que l'on va faire pour que ça soit, entre guillemets, intéressant, on va faire un espèce de panneau publicitaire comme on retrouve beaucoup aux États-Unis. Donc là, tout d'abord, ce que je vais faire, je vais prendre mon béton noir. On va se mettre ici, on va poser un bloc, deux blocs et trois blocs. Parfait. Je vous l'ai pas dit, hein, mais vous vous alignez par rapport au-dessus des vitrines, hein, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Donc là, on s'aligne par rapport à la première rangée de demi-dalles. Ensuite, ici, toujours pareil, hein, hop, on arrive comme ceci. Voilà, on va y arriver. Je sais pas où on se situe, là. Alors là, tac, 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 tac. Voilà, parfait. Et ensuite, pareil, ici, hein, donc là, hop, 1, 2, et puis 3. Donc là, c'est parfait. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc c'est la même chose ici. Après, vous pouvez déjà commencer à remplir. Vous gagnerez peut-être un petit peu de temps au lieu de refaire une diagonale. Vous voyez, tac, comme ceci. Hop, hop, hop. Donc voilà, faut que ça rejoigne l'autre pilier, hein, tout bêtement. Voilà, ça c'est nickel, vous voyez que la diagonale est parfaite. Et ensuite, on va remplir tout simplement tout le contour et tout le bas et tout le haut, hein, bien entendu, de l'espèce panneau publicitaire. Hein, je ne peux pas trop vous expliquer étant donné que vous ne l'avez pas devant vous. Mais en gros, c'est où il y aura un gros signe Adidas, donc un gros signe de l'enseigne, pour pouvoir faire de la publicité tout simplement. Hein. Voilà, donc là pour faire l'entrée du magasin, donc je vous montre, hein, j'ai tout barricadé entre guillemets, hein, tout est rebouché, ce qui laisse place à un gros espace vide, vous voyez comme ça depuis l'intérieur du bâtiment, hein, donc libre à vous de faire soit un étage pour pourquoi pas aménager ou agencer quelques produits à vendre, quelques trucs comme ça, des bureaux, hein, enfin voilà, vous avez plein de petites idées. Et sinon, comme je vous le disais, donc là, on va faire l'entrée. Donc là, hop, on pose comme ceci 5 blocs, voilà. Ensuite, 1, 2, et on recommence. Donc là, ça sera une fenêtre, hein, vous l'avez deviné. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons sélectionner notre verre. Parfait. Donc du verre normal, hein, moi, j'ai préféré mettre ça dans le serveur Xbox, hein, pour ceux qui reconnaissent le bâtiment. Donc là, pareil ici, hop, on arrive au plafond. Tac, tac, tac. Et voilà le travail. Il nous reste à placer les verres. Et c'est parfait. Donc là, ensuite, pour l'entrée, ce que vous pouvez faire, c'est hop, un petit effet comme ça, assez sympa. Voilà. Et puis ensuite, bah, vous pouvez laisser ouvert comme ceci. Je pense que c'est assez sympa aussi comme ça. Après, bien entendu, hein, moi j'ai laissé en gazon, mais vous pouvez bien entendu aussi poser de la pierre, faire votre petit aménagement au sol également. Je sais que moi j'ai placé des petits parterres de fleurs devant aussi pour déguiser un petit peu l'entrée. Mais voilà, en tout cas, c'est un bâtiment assez sympa. Donc maintenant, nous allons passer aux enseignes. Donc là, on va commencer par la plus grosse enseigne. Du coup, on va prendre le béton blanc pour celle-ci. Pour les autres, ça sera un petit peu différent. Donc là, hop, on va se placer ici, vous voyez. Donc là, on se décale de deux blocs. Et là, on remonte de deux blocs.
Et nous allons faire tout simplement un carré de 2 blocs par 2 blocs. Ensuite, tac, on pose 2 blocs ici qui se rejoignent avec un petit bout de diagonale ici, comme j'appelle ça. Ensuite, 3 blocs là. 3 blocs là. Et puis 2 blocs là. Voilà, tout simplement. Ensuite, on refait pareil. Ça se rejoint avec la diagonale au-dessus. Ensuite, 3 blocs. 3 blocs. 3 blocs, pardon. Voilà, comme ça, hein, toujours 2 blocs qui se touchent. Et puis, tout naturellement, nous allons refaire, donc, hop, oula, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Nous allons faire un petit bout qui se rejoint, donc, hop, comme ceci. Voilà. Donc là, c'est nickel, on a notre enseigne Nike qui est dessinée. Ensuite, nous allons faire les enseignes sur le côté, donc là qui sera peut-être un peu plus simple pour vous, mais ça reste assez compliqué. Du coup, on va prendre des demi-dalles de quartz ainsi que des escaliers en quartz. Donc là, dans un premier temps, nous allons déjà tout simplement positionner le premier triangle de la marque. Donc là, on va se mettre ici, hop, un escalier à l'endroit de préférence. Vous posez 3 demi-dalles l'une sur l'autre comme ceci, et hop, vous remettez un autre escalier à cet endroit. Voilà, donc là, vous êtes situé à 2 blocs du bord et juste au-dessus des demi-dalles. Ensuite, là, nous allons poser un cube de quartz, un escalier à l'endroit, un autre cube de quartz juste ici, et un autre juste ici, voilà. Et entre, vous allez mettre un escalier retourné ici, un escalier à l'endroit ici. Et pour terminer, on va faire le dernier. Donc il y a un bloc de battement ici. Donc là, on va poser, tac, une dalle de quartz ici. Hop, deux autres ici, deux autres ici. Voilà, donc ce qui nous fait des cubes. Un escalier là.